évidemment. Paul, bonsoir. C'est vrai que c'est un match que Olivier Guégan lui place très haut, en tout cas dans l'importance pour lui, c'est un match charnière. Est-ce que pour Le Havre et pour vous, c'est aussi un match important cette saison ? Bien entendu, parce qu'on reste sur une série un petit peu difficile au niveau des points. On n'en a pas pris beaucoup lors des 5 derniers matchs, donc ce serait idéal pour se relancer et pour retrouver un peu plus de confiance. Valenciennes a fait à peu près le même début de championnat que vous et monté très haut. Ben, vous sortez d'un très très gros match contre Lorient. Qu'est-ce que vous avez demandé à vos joueurs pour ce soir ? Bah de faire mieux que contre Lorient, même si c'est vrai que la réaction a été belle en deuxième mi-temps, mais on était quand même mené 2-0 à la mi-temps, donc il faut faire un meilleur début de match notamment, il faut être plus constant, mais il y avait de belles choses également. Oui. Paul, vous savez qu'il y a beaucoup d'attentes autour du Havre depuis plusieurs années. Je vous dis ça parce que si vous réussissez cet exploit de monter, vous retrouverez le Paris Saint-Germain à l'OM. Est-ce que hier vous étiez un téléspectateur attentif de ce Classico et qu'est-ce que vous en avez pensé ? Non, mais j'ai regardé avec intérêt et avec attention, mais un peu plus la première mi-temps que la deuxième. Mais évidemment, c'est très impressionnant. J'ai une belle journée de foot avec Liverpool, Tottenham et puis PSG-Marseille après. Est-ce qu'on est loin du PSG que vous avez connu quand vous les voyez jouer de cette manière ? Les 45 premières minutes, c'est... C'est pas comparable. Nous, on avait... quelques stars et puis des joueurs de complément dont je faisais partie, et eux ils n'ont pratiquement que des stars, donc non, c'est pas le même monde, les moyens sont différents aussi, mais... Ouais, Paul, je vous charrie parce que vous alliez en demi-finale de Coupe d'Europe, vous êtes presque tous les ans. Les Coupes d'Europe n'étaient pas les mêmes, il faut comparer, mais après on est très fiers de ce qu'on a fait, hein, mais comparons ce qui est comparable, mais après encore une fois c'est tellement différent, c'est presque, c'est le même club mais c'est pas tout à fait le même club quand même. Merci Paul, bonne soirée, bon match en tout cas. Merci.